quatrième édition des Ribouledingues et même recette que les trois précédentes éditions. Les Ribouledingues, c'est un festival qui est là pour promouvoir les spectacles, les contes, le patrimoine culturel et culinaire de la commune dans laquelle on s'implante. Au menu de la ville de Puttelange, des contes et des spectacles assurés par des professionnels, mais aussi par les animateurs de l'association, particulièrement motivés par le passé de la commune. J'ai proposé la dictée du chef de gare, qui retrace un peu l'histoire de Puttelange, avec des mots qui sont un peu référents et où les parents et les enfants puissent essayer justement à les orthographier correctement. La balade comptée dans les villages de Cattenom et environ est devenue la marque de fabrique de Duc et compagnie, présent le jour d'ouverture au public, mais aussi en temps scolaire la semaine précédente. On a des écoles qui sont venues de Étange-Grande, Entrange, Gavis, Cattenom, Puttelange, Mondorf, Gandrun. Et on a accueilli donc 480 élèves cette semaine. Pour joindre l'agréable à l'utile, un macaron de boulet a été offert à chaque enfant, une chimère de mise en bouche face à l'assiette de dégustation proposée à la vente lors de la journée d'ouverture au public extérieur. On est sur le stand de dégustation des produits du terroir avec des assiettes donc avec des produits issus donc de la boucherie forêt de Puttelange, la boulangerie Linster de Puttelange et l'espace boisson de Bassam. C'est 20 sur 20. Voilà. Ils ont du fuseau lorrain, du jambon de pays, ils ont de la ricotta au miel. Donc je précise que le miel a été fait par notre président, M. Peignard. Ils ont également du fromage de tête, enfin, voilà, tous des produits vraiment issus des produits du terroir. Pour agrémenter cette journée, l'organisation s'est fait prêter par la ludothèque de Thionville des jeux qui étaient encadrés par des salariés, mais également par des bénévoles locaux. Animer une commune, créer l'événement et rassembler des familles, le festival Ribouledingues persiste et signe dans la bonne direction, celle qui permet au plus grand nombre de jouir de spectacles de qualité et de découvrir le patrimoine de Cattenom et environ. Plus on se regroupe et mieux on travaille, voilà une maxime qui s'irait à merveille à la Ligue de l'enseignement Fédération des œuvres laïques de la Moselle qui a organisé son assemblée générale au casino de Cattenom. La Ligue de l'enseignement est associée avec des fédérations d'éducation populaire, des comités d'entreprise, des ligues sportives, des syndicats d'enseignants, des associations locales et avec le monde scolaire, de la maternelle à l'université. Une position qui place l'association en première ligne quand on parle de loi de refondation de l'école. La Ligue de l'enseignement est à l'origine de l'école publique et obligatoire au milieu du 19e siècle. Et depuis presque 150 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle accompagne les réformes de l'école, elle précise sa pensée sur le rôle de l'école. Et il nous a semblé que cette réforme était très importante pour l'avenir de l'école, et donc c'est dans la droite ligne des préoccupations de la Ligue de l'enseignement. Notre première vocation de la Ligue, c'était de mettre en place dans ce pays l'instruction publique, obligatoire, laïque, ouverte à tous. Donc quand l'école a été mise en place, notre vocation, ça a été de nous occuper de ce qui est autour de l'école. C'est pour ça qu'on est une œuvre complémentaire de l'école publique. Donc on organise des classes de découverte, du sport à l'école, des colonies de vacances, etc. Donc c'est notre vocation d'accompagner l'école avec une forme complémentaire de ce que font par exemple les syndicats d'enseignants aussi ou les parents d'élèves quand ils s'occupent de l'évolution de l'école. La Ligue de l'enseignement, appelée également FOL, se compose de 468 associations affiliées et de 40 742 adhérents pour lesquels bénévoles et salariés ont à cœur de poursuivre la mission d'éducation populaire laïque. Dans le cadre du dispositif Vacances pour tous, la FOL a décidé de rénover son centre de loisirs de Xonrupt dans les Vosges avec la rénovation de l'existant et la construction d'un gîte de plein pied qui accueillera aussi bien les valides que les handicapés. C'est un projet qui se monte à environ 1 million d'euros. La région Lorraine nous donne 338 000 euros, l'État par le massif des Vosges nous donne un peu plus de 100 000 euros, le Conseil général des Vosges un peu plus de 80 000 euros. La Caisse d'allocation familiale souhaite des informations complémentaires pour donner sa part qui devrait se monter à 200 000 euros. Donc les aides à l'investissement, même si elles s'amenuisent, existent encore quand on a la possibilité de présenter une demande complète, quoi. Il serait trop fastidieux de lister toutes les activités qui ont émaillé l'année 2012, mais citons néanmoins la forte implication de la Ligue de l'enseignement dans les domaines de l'audiovisuel, dans le développement culturel, dans les séjours scolaires et dans les activités physiques et sportives.
Une bonne raison pour Quatenom Loisirs Culture, Quatmom et Arcade de collaborer fortement avec l'association. La Ligue leur permet d'accéder aux différents services, de couvrir les risques liés aux activités, mais aussi d'affirmer leur appartenance au premier mouvement associatif historique de France. Une volonté quatenomoise de répondre à l'appel de Jean Massé, qui dès 1867 désirait propager l'instruction, l'éducation et le mouvement coopératif. Depuis cette date, le pari est réussi. La Ligue de l'enseignement Fédération des œuvres laïques de la Moselle enrichit bel et bien le débat public et apporte aux militants un éclairage précieux pour leurs actions. Tout le monde peut pratiquer la Zumba. Il y a de la Zumba pour les enfants, de la Zumba fitness pour tous les âges. Et pour les seniors actifs, il y a la Zumba Gold. Il y a différentes sortes de Zumba. Il y a la Zumba aussi qui se pratique dans la piscine, qui s'appelle l'Aqua Zumba. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Ici, ce qu'on pratique, c'est Zumba fitness. Maintenant, il faut un certificat médical. Et c'est vrai que les gens qui ont des soucis de santé, il vaut mieux consulter un médecin avant de pratiquer la Zumba. Depuis cette année, une activité connaît un succès colossal à Quatenom. La gymnastique volontaire de Quatenom propose un cours de Zumba qui regroupe plus de 100 adhérents au gymnase. Portée par le dynamisme de leur professeur certifié formatrice sportive et agréée marque officielle Zumba, les élèves sont ravis des séances. La prof est très bien, les musiques sont super sympas, on a de l'espace pour bouger et voilà, il y a une bonne ambiance. Donc voilà, ça m'a fait venir ici. Une danse très très attrayante et très sportive. Et c'est exactement comme les autres sports. En plus, c'est agréable parce qu'il y a la musique. Comment vous avez découvert la Zumba ? Ça fait quelques années, partout ils en parlaient, que ce soit à la télé, à la radio, enfin tous les médias en parlaient. Et puis voilà, je me suis jetée à l'eau. Avant, je faisais la salsa, donc. Et le club où je faisais a donc arrêté. Et j'ai vu ça donc, par affiche, je pense. Et j'ai essayé. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de différence par rapport à la salsa. C'est plutôt une continuité. Faire du sport en s'amusant, un concept qui fait ravage au sein de la population féminine de notre commune. Il est plus difficile de convaincre la gente masculine qui n'est représentée que par deux hommes. Pourtant, les arguments ne manquent pas pour convaincre les réticents. On apprend à danser, on transpire, on vient éliminer des calories et c'est facile parce que c'est des mouvements faciles à faire, donc c'est vrai que c'est pas la peine de savoir danser. On vient, on suit et voilà. Certaines filles viennent en famille avec leur maman, leur cousine. Il y a des garçons qui viennent aussi, les fils, les maris, et voilà. Donc entre amis ou en famille. Inventé par le danseur et chorégraphe colombien Alberto Beto Pérez dans les années 90, la Zumba fait l'unanimité dans les rangs des participants. Alors petit ou grand, homme ou femme, jeune ou vieux, laissez-vous tenter par la Zumba Fitness, une heure de musique au style varié qui vous permettront d'oublier les tracas de la vie quotidienne et de repartir gonflé à bloc pour le reste de la semaine.